Très bien. Alors, bonjour, bonjour Nathalie Balassé. Bonjour Pierre, bonjour monsieur, docteur Alors, Labesca, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu votre livre, qui est d'ailleurs une réédition du premier livre que vous aviez auto-édité, et qui, on va le montrer à tous les spectateurs, s'appelle Le jour où j'ai décidé de guérir. Alors, c'est un témoignage intéressant parce que vous n'étiez pas du tout dans les professions de santé, vous étiez, je crois, dans la finance. Enfin, dans les Oui. métiers plutôt matérialistes, en quelque sorte. Et puis, vous avez déclenché une maladie inflammatoire articulaire, qu'on appelle une spondylarthrite ankylosante. Alors, c'est une maladie auto-immune, un petit peu compliquée, c'est-à-dire que le corps fabrique des anticorps contre lui-même, et il y a des douleurs articulaires qui deviennent très vite très importantes, notamment au niveau du dos, mais au niveau des articulations aussi du bassin, qui font que vous en étiez presque au stade, malgré tous les traitements médicaux classiques que vous aviez eus, et vous aviez même eu des traitements immunologiques, je crois, d'après votre livre, hein, les anti-TNF, alpha et autres. Vous avez donc été à un stade où, et ça a été, je crois, le point déclenchant, vous étiez presque à vous acheter un fauteuil roulant parce que vous étiez limité au point de vue de vos déplacements. C'est ça, exactement. J'ai même eu l'ordonnance pour le fauteuil roulant. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je suis rentrée d'une semaine d'hospitalisation où j'étais restée à attendre le professeur qui devait venir me voir. Et en fait, le jour où il est arrivé, mon VSL m'attendait et j'avais des questions à lui poser. J'étais vraiment très, très mal. On m'avait mis sous morphinique toute la semaine. Et donc, j'étais avec ma liste de questions parce que j'étais maman d'une petite fille de 5 ans et demi. Je venais d'accoucher d'un bébé et donc de ma deuxième fille. Et quand le professeur est arrivé avec une douzaine d'étudiants dans ma chambre, j'ai commencé à lui poser des questions sur mon avenir et sur comment j'allais faire. Et il s'adressait pas vraiment à moi en fait. Il s'adressait aux étudiants en disant que j'étais une personne qui était résistante à tous les traitements. Et puis finalement, globalement, qu'il savait pas trop quoi faire pour moi. Voilà. Et quand je lui ai dit, mais j'ai des questions sur mon avenir, il m'a dit, j'ai d'autres patients à voir. Et puis il est parti. Et donc moi, je suis rentrée avec l'ordonnance du fauteuil roulant et avec tout ça. Et j'ai réfléchi pendant la nuit. J'ai pas dormi. Mon mari m'avait dit, j'irai chercher le fauteuil roulant demain. Parce que j'étais vraiment grabataire. J'avais même du mal à monter les escaliers alors que la chambre était à l'étage. Donc c'était compliqué tellement je souffrais. Mon corps était incandescent de douleur. Et Et c'est là quand que il s'est vous réveillé le matin. vous êtes Oui. dit, puisque la médecine ne peut rien pour moi, ou ne peut pas grand-chose pour moi, sinon des solutions palliatives, je vais me prendre en main. Et c'est là où vous avez une formule qui est assez superbe, je trouve, et en tant que médecin, je le dis, c'est que le médecin soigne, mais c'est le patient qui se guérit. Oui, exactement. Je me suis dit, puisqu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour me guérir, la seule personne qui peut me guérir, alors qui est-ce? Et là, quand je me suis posé cette question, j'ai dit, bah, c'est toi, en fait. Il faut que tu réfléchisses comment tu peux faire, mais il faut que tu guérisses. Parce que, en fait, je me connais, me suis dit, si jamais je mets les fesses dans un fauteuil roulant, je suis fichue. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas à me relever. Alors, je me suis dit, c'est le passage ultime. Et à ce moment-là, dans la nuit, c'est vraiment passé quelque chose d'incroyable en moi. J'ai pris la décision de guérir. J'ai dit à mon mari, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je te promets, à partir d'aujourd'hui, pour moi, je suis guérie. J'ai pris la décision de guérir. Voilà. Et j'ai même convoqué ma famille et mes amis et je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, voyez-moi guérie. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour moi. Mais de me voir mal, fichu, parce que je le voyais dans le regard des gens qui m'entourent et qui m'aiment, et ils se disaient, mais elle est fichue, elle n'y arrivera plus, quoi. Oh, elle est dans un tel état, c'est plus possible. Et là, à partir du moment où je leur ai dit, voyez-moi guérie, oh, c'était comme une chape de plomb qu'on me retirait du dessus de la tête. Et j'ai tout mis en œuvre et dans ma tête aussi, s'est mis un processus pour chercher tout ce qui était possible et tout ce que j'allais pouvoir découvrir pour guérir.
Alors, vous avez parfait. Il y a eu un choc salvateur, en quelque sorte, il y a un choc déclencheur. Mais après, Oui. vous avez fait quoi? Vous avez fait une recherche sur Internet, vous vous êtes dit, mais il y a peut-être autre chose que la médecine classique, il y a peut-être des médecines complémentaires. Comment vous avez pratiqué C'est ça. pratique? Alors, déjà, j'avais lu le livre de Norman Cousins, qui est un Américain qui avait guéri déjà de la spondylarthrite avec des grosses doses de vitamine C en intraveineuse, 60 grammes par jour. Bon, j'ai cherché, en France, il n'y en a pas. Et donc, à partir du moment où j'ai pris la décision de guérir, s'est mis sur mon chemin tout ce qui. J'ai eu une thérapeute, par exemple, que j'ai vue, qui faisait ce qu'on appelle des physioscans, pour regarder ce qui dysfonctionne dans le corps et savoir ce qu'elle peut corriger. Et puis, elle me dit, mais tu devrais absolument prendre de la vitamine C. Et donc, à ce moment-là, tac, j'ai fait la relation avec le livre de Norman Cousins et me suis dit oui. Mais en France, tu sais, on ne peut pas en trouver à haute dose. Elle me dit, écoute, commande-en en Espagne. Et ça a commencé comme ça. Donc, à chaque fois, en fait, sur mon chemin, s'est mis des personnes qui m'ont dit, ah bah tiens, tu devrais faire ça. Ou alors, si je n'avais pas une personne, mais, vous voyez, je touchais mon ventre, je me disais, oh, j'ai vraiment trop mal au ventre. Ce n'est pas possible d'avoir aussi mal au ventre s'il ne se passe pas quelque chose d'anormal dans mon ventre. Et donc, je me suis dit, tes intestins, ils sont enflammés, c'est pas possible autrement. Donc, j'ai commencé à chercher sur le net une technique qui me libérerait mes intestins. Voilà. En fait, petit à petit, ça s'est mis en place comme ça. Comme j'étais soit debout, soit assise dans mon lit à 5 heures du matin, j'avais rien d'autre à faire que de réfléchir à comment continuer à me guérir. Parce que, une fois que j'ai mis le doigt dedans, j'ai plus jamais lâché. Vous avez en quelque sorte lancé un processus de guérison, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Et je crois aussi que j'ai lancé un appel à mon corps en lui disant, écoute, on va tout mettre en place pour guérir. Alors donc, vous avez essayé l'irrigation colique, vous avez essayé la vitamine C à forte dose, avec des effets, on prévient aussi les auditeurs que c'est un peu laxatif, hein, la vitamine C à forte dose, hein. Alors, vous Complètement. d'autres formes de vitamine C. Et puis ensuite, vous avez réfléchi, une fois que ça a été. Enfin, vous avez été vite assez mieux, en fait. Oui, assez rapidement, je vais dire 2 ans déjà, ça a été beaucoup mieux. Puisque fin 2012, j'avais l'ordonnance pour le fauteuil roulant et ma dernière crise inflammatoire qui m'a complètement couchée, parce que pendant que j'étais dans des crises inflammatoires, je faisais rien du tout de ma journée, je ne tenais même pas debout tellement c'était douloureux. Ça a été en août 2015 où je suis restée une seule journée couchée. Et j'avais fait pas mal de choses, on était en vacances, j'avais même fait de la bouée tractée, vous savez. Donc, Là, voilà. vous n'avez plus pris à partir de là aucun médicament quasiment. Non, à partir de ce jour-là, j'ai arrêté la morphine déjà que j'avais à chaque fois que je faisais une crise inflammatoire, ça me durait entre 10 à 15 jours par mois. Donc là, j'ai décidé même d'arrêter aussi la morphine. Mon mari, je vous le cache pas, était très inquiet quand il me voyait comme ça. Mais ce que j'ai compris, c'est que notre corps fabrique de l'endorphine, qui est une molécule proche de la morphine, sauf que c'est pas tout à fait la même chose, puisque la morphine, qui porte bien son nom, puisque je l'explique dans mon livre en langage des oiseaux, on entend mort in fine. Et effectivement, c'est une molécule que l'on donne aux personnes en fin de vie et qui ne permet pas au corps de se régénérer, de motiver toutes les fonctions de guérison. Alors que l'endorphine, et là on entend endort in fine, et c'est exactement ce qui se passait pour moi, je m'endormais à la fin, au bout de 2, 3 jours de souffrance intense, je m'endormais, et là mon corps se régénérait, et je l'ai vraiment senti. Et alors donc, vous avez tellement, tellement, vous êtes tellement marqué par ce traitement que finalement maintenant vous accompagnez quasiment des personnes atteintes. Et alors qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux auditeurs ou téléspectateurs? On mange mal, on prend trop de médicaments, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors déjà pour les personnes, à mon avis, qui font des maladies auto-immunes, alors moi, bien évidemment, je reste à ma place, je ne suis pas médecin. Et comme je le dis dans mon livre, ce que j'ai fait pour moi, ça peut ne pas fonctionner pour les autres. Mais je pense aussi que si on ne fait rien et qu'on reste toujours pareil, on ne peut pas non plus
demander un résultat différent. Donc, effectivement, il faut mettre certaines choses en place, ça c'est sûr. Et je crois que déjà la première chose, vous avez raison, c'est pas qu'on mange mal, c'est qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire, en voulant produire davantage, eh bien, a amoindri la qualité de nourriture que l'on peut trouver dans notre assiette aujourd'hui. Notamment le gluten, j'en parle dans mon livre, c'est une molécule qui a été modifiée plus de 70 fois, qui est devenue tellement longue qu'aujourd'hui, notre organisme n'arrive plus à la séquencer et ça peut rester coincé dans les intestins. Et à ce moment-là, quand ça reste coincé, eh bien, ça crée des toxines et de l'inflammation. Et ça peut même aller jusqu'à rendre les intestins poreux. Donc, ça, c'est la première chose, à mon avis, quand on souffre de douleurs articulaires, c'est déjà d'arrêter le gluten. Alors, ce n'est pas si facile que ça, parce que, bon, moi, je suis une très grande gourmande et j'adore manger. Donc, forcément, quand on veut arrêter, les douleurs ne s'arrêtent pas en même temps, parce qu'il y a une certaine inertie pour le corps qui doit défaire ce qu'il a fait. Autrement dit, s'il a créé de l'inflammation dans les intestins, ça ne s'en va pas en 15 jours. Et moi, pour avoir arrêté le gluten pour 15 jours au départ, je me disais, puisque j'ai encore mal, c'est bon, hein, je remange comme avant. Donc, je le dis pour les auditeurs, attention, le corps a besoin de temps pour se débarrasser de ce qui coince ou ce qui provoque de l'inflammation. Gluten, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut diminuer? Oui, je pense qu'il faut aussi arrêter les produits laitiers de vache parce qu'ils sont pro-inflammatoires tels qu'ils sont vendus aujourd'hui. Parce que, je l'explique aussi, le lait de vache, d'une vache qui broute dans les alpages et que l'on fait cuire pendant une heure et demie, où on enlève la grosse peau qui est faite sur le dessus, celui-là, normalement, il est bon à boire. À partir du moment où la vache n'a pas pris d'antibiotiques, où elle n'a pas été gavée de médicaments, etc. Hein, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le lait, il est cuit et enfin, il est stérilisé, on va dire, à haute température en un instant flash. Et ça ne peut pas enlever tout ce qui est nocif pour nous, les facteurs de croissance, le lactose qui est pro-inflammatoire, en fait, tout ce qui est mauvais dans le lait reste dans le lait et pour les personnes qui sont fragiles eh bien, et qui ont de l'inflammation sans le savoir, parce que je lisais dernièrement, et je ne sais pas, peut-être que vous pouvez le confirmer, que 70% des personnes aujourd'hui souffrent d'inflammation, même si elles ne le savent pas encore. C'est-à-dire si ça ne s'est pas encore révélé à eux par des douleurs. Donc c'est énorme. Et Ce qui fait deux l'inflammation vient personnes. souvent d'un problème intestinal parce que les toxines passent à travers la paroi de l'intestin, surtout quand il est poreux et qu'il est effectivement hyper perméable. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et alors, c'est vrai que l'alimentation est une des causes essentielles, doublement essentielles, parce que comme vous le dites, on a des produits qui sont de plus en plus raffinés et donc de plus en plus inflammatoires, mais qui sont en même temps de plus en plus pauvres en vitamines, et c'est pour ça que vous prenez toujours de la vitamine C, il faut toujours en prendre. J'en prends toujours un peu, oui. Des fois, ça m'arrive d'oublier. Alors, je me dis que c'est parce que mon corps n'en a pas besoin. Et puis, d'un seul coup, je me dis, ah, tiens, il faudrait que je reprenne de la vitamine. Alors, j'en reprends. Mais j'en prends plus beaucoup. J'en prends entre 3 à 5 grammes dans la journée. Voilà, ouais. 3 à 5 J'en ai grammes, plus besoin. c'est déjà pas mal, vous n'êtes pas trop excité. Ah non, au contraire, parce que quand on la prend à haute dose, elle fait dormir. Et D'accord. ça, c'est génial. Oui, ça inverse le processus. À part l'alimentation, est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner? Oui, alors pour l'alimentation, je voudrais juste finir sur une chose, si vous permettez. C'est qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de produits transformés avec énormément de sucre, de colorants, pardon, d'adjuvants qui sont vraiment néfastes pour notre santé. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et pour les produits laitiers, on en retrouve dans la charcuterie. Non. Donc, il faut faire très attention aussi, voilà, vraiment aux ingrédients des produits que l'on mange. Oui, et surtout Voilà.
Les sucres sont aussi de plus en plus raffinés, malheureusement. Exactement, et du coup, de plus en plus nocifs aussi. Alors que plus ils sont naturels, meilleurs ils sont. Alors, l'alimentation, ok. Est-ce que vous avez d'autres conseils que vous pourriez nous donner? Oui, je pense que le corps et l'esprit sont liés et qu'on ne peut pas différencier les deux. C'est pour ça que j'ai travaillé à la fois sur le physique, et on vient d'en parler, mais j'ai travaillé aussi sur l'esprit. C'est-à-dire que pour moi, la maladie, c'est le mal à dit. Et donc, j'ai voulu comprendre ce que mon corps cherchait à me dire à travers la souffrance. Et j'ai découvert notamment une mémoire traumatique chez ma grand-mère qui a été violée et qui a eu un enfant de ce viol. Et effectivement, je me disais, ben, c'est vrai que si je suis en fauteuil roulant, effectivement, là, on ne pourra pas me violer. Vous voyez? Donc, c'est une défense de notre organisme qui cherche à recréer des conditions de sécurité qui ne le sont pas forcément parce que, bon, j'aurais pas été pour moi en sécurité si j'avais pas pu marcher. Voilà. Mais en tous les cas, pour l'inconscient, lui, il sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, il cherche à nous protéger de ce qui pourrait arriver parce que c'est déjà arrivé avant. Oui, Voilà. Donc, c'est ce qu'on trouve dans les non-dits familiaux et dans l'épigénétique. c'est exactement ça, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec des techniques de thérapie que j'ai appris pendant mon cursus de thérapeute. Et puis, j'ai travaillé aussi sur la visualisation, vous savez, à partir du jour où j'ai pris conscience que je voulais guérir, je me suis visualisée tous les jours en train de courir dans l'herbe, à faire des galipettes avec mes filles et à être heureuse. Vous savez, vraiment, j'étais dans ces moments-là et parfois, on a tendance à vouloir baisser les bras, mais tous les jours, je me suis imposée de me visualiser 5 minutes seulement avec ce bonheur d'être à nouveau en santé. Et ça, c'est vraiment très utile. Voilà, ben je crois que c'est un beau témoignage comme quoi, quand on est malade, d'abord, c'est jamais un hasard, ou c'est rarement un hasard, mais que ça peut devenir une force si on dépasse justement le stade de la maladie, à condition qu'on y réfléchisse et qu'on change certaines choses. Alors, je crois qu'on peut conseiller tout à fait à nos auditeurs et téléspectateurs de lire votre livre, Nathalie Balassé, donc Le jour où j'ai décidé de guérir, tout un programme, n'est-ce pas? Qui est aux éditions Amphora. Merci beaucoup Nathalie Balassé et on vous réinvitera peut-être. C'est moi qui vous remercie, docteur Labesca. Merci infiniment. Et bon courage. Au revoir. Merci.